Out of Bounds, abrégé OOB, peut se traduire par hors limite. L'Out of Bounds consiste à sortir des limites imposées par le jeu. L'OOB n'est pas un type de glitch, c'est une conséquence d'un glitch. Et même dans certains cas, c'est carrément un oubli des développeurs qui ouvre la porte au-delà des limites. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur 7 exemples provenant de différents jeux. Le noclip. On ouvre sur Breath of the Wild, avec un glitch peu connu, appelé le noclip. Celui-ci consiste simplement à passer à travers le sol. Quoi de mieux pour découvrir les dessous du monde d'Hyrule? Pour le réaliser, il suffit de sauter, puis de passer en mode surf et d'activer le mode ralenti. Après cela, il va falloir être précis, puisqu'il faut appuyer sur X à l'instant où on touche le sol. Cette action va déclencher une animation de saut, et Link va passer à travers le sol. Ensuite, il ne reste plus qu'à appuyer de façon répétitive sur le bouton de saut. Et petit à petit, le modèle 3D du personnage va passer complètement sous le sol. C'est un bug d'animation qui a lieu ici. L'animation du saut, couplée au mode ralenti, permet de creuser dans le sol. Et une fois arrivé sous la map, on peut se balader librement dans cette espèce d'océan situé sous la map. J'ai fait une vidéo qui explique ce glitch en détail, vous la retrouverez en fiche et en description. Le fish clip. Ce second Out of Bounds est réalisé sur Super Mario Odyssey. Il a lieu dans le pays de la mer. Il est réalisable grâce au fonctionnement particulier des limites du monde. Sur cette image, la limite est un mur invisible situé ici. Cependant, ce n'est pas un simple mur infranchissable. On peut passer au travers, puis le jeu nous repousse doucement. La technique consiste à foncer à l'aide d'un poisson le plus loin possible, puis de s'en éjecter. À partir de là, on s'éloigne un peu pour réentrer dans la zone de jeu. Et enfin, on reprend le contrôle du poisson et on fonce jusqu'en dehors des limites. J'ai réalisé ce glitch à cet endroit précisément. Ce glitch est également appelé le Seaside Out of Bounds. Il est utilisé en speedrun pour récupérer deux lunes très rapidement. Il est dû à un problème de dimension des limites du jeu, couplé à une exploitation de l'animation de prise de contrôle avec Capi. Cette technique permet de creuser un peu plus loin derrière la limite. Si le terrain était plus large, il ne serait pas possible d'en sortir si facilement. Le No Collider Glitch. Ce glitch provient de Link's Awakening, le remake sorti en 2019 sur Nintendo Switch. Il a été réalisé par Mini Retin. C'est un speedrunner français, il a actuellement le deuxième meilleur temps mondial dans la catégorie Any Percent. Je vous donne le lien de son Twitch pour ceux d'entre vous qui souhaitent le découvrir. Il réalise ici un petit glitch qui consiste à porter une poule et se faire manger par un like-like, et le tout dans un espace très restreint. À l'instant où Link est projeté, la poule va l'empêcher d'atterrir sur le sol. Il se retrouve ainsi sur les arbres. Il va ensuite se déplacer vers l'est, puis traverser habilement les ronces pour entrer directement dans la grotte du génie. C'est là encore une strat utilisée en speedrun qui fait gagner énormément de temps. Ce glitch est lié à un problème d'animation et de zone de collision. Le Corner Clip. Celui-ci vient tout droit de Bowser Fury, l'extension de Super Mario 3D World sortie sur Nintendo Switch en 2021. Il est très simple puisqu'il consiste tout bêtement à se placer ici, sur la carte, puis de courir et sauter dans l'angle de ce mur. Mario va passer à travers l'angle et se retrouver à l'intérieur du mur. Il faut être assez précis, on n'y arrive pas forcément du premier coup. Il va ainsi tomber dans l'eau située sous la map. Ce glitch, plutôt facile à réaliser, est lié à un problème de modélisation de la map. Ce qu'il se passe, c'est que cet angle est l'intersection de deux faces à collision. Ces dernières ne sont pas totalement reliées, ce qui permet à Mario de passer pile entre les deux. Un second corner clip. Celui-ci est dans Super Mario Odyssey. Il a été réalisé par le speedrunner Psionic. Ce mouvement permet de récupérer une lune située derrière un mur. Cependant, le mouvement demande une précision démentielle. Il n'est pas utilisé en speedrun car beaucoup trop risqué. Un fail est vite arrivé et vu le vide qu'il y a en dessous, c'est la mort assurée. Oh non ! C'est exactement le même bug de collision que pour Bowser Fury. Ce qui voudrait dire que les deux jeux ont potentiellement le même moteur, mis à part la version qui pourrait diverger entre les deux. Le Scope Clip. Encore un glitch sur Breath of the Wild. Le concept est simple. Il suffit de se placer sur une plateforme très fine,
puis de s'orienter vers le mur, tandis que la caméra doit rester dos au mur. Ensuite, on déclenche la longue vue de la tablette Sheikah. Link va se retourner brusquement, ce qui aura pour conséquence de le décaler légèrement vers le mur. Ce décalage permet de passer de l'autre côté et ainsi sortir des limites. Ce type de clipping est utilisé en speedrun pour sortir du sanctuaire de la Renaissance. Il sera très bientôt utilisé au château d'Hyrule dans la catégorie Any Percent. Certains speedrunners s'y exercent car il permettrait de gagner une vingtaine de secondes. C'est pour cette raison que je vous l'ai montré aujourd'hui. Ce glitch survient lors d'un problème d'animation lié à la sortie de la longue vue. Le stair clip. On termine cette série d'Out of Bounds par cette vidéo d'Altina X réalisée sur Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Dans celle-ci, le joueur contrôle Terako. À l'instant où il monte les marches jusqu'aux quartiers principaux, il se retrouve à tomber à travers le sol. Ce clip lui permet de se retrouver tout en bas de la map et ainsi découvrir les dessous du château. Là encore, c'est un OOB lié à un problème de boîte de collision, et donc à la structure même de certains éléments de la map. On remarque que le jeu n'avait pas du tout prévu ce cas de figure, la caméra est incontrôlable. On vient de voir pas mal d'extraits, et malgré le fait que je les ai choisis de façon plus ou moins aléatoire et qu'ils proviennent de différents jeux, on retrouve des raisons similaires à chacun de ces clips. On a le premier cas, où c'est lié à un problème d'animation. Que ce soit le No Clip et le Scope Clip sur Breath of the Wild, ou alors le No Collider Clip sur Link's Awakening, ils sont tous liés à l'exploitation d'une animation particulière. De l'autre côté, on a les clips liés à un problème de boîte de collision sur la map. Avec Bowser Fury et le clip de l'angle, pareil pour Super Mario Odyssey et le même clip d'angle, ou encore Hyrule Warrior et le Stair Clip. Ces derniers se déclenchent bien souvent grâce à un souci d'angle, comme l'intersection entre deux murs ou bien des marches. Ces clips peuvent également avoir lieu à cause d'un oubli de la part des développeurs de protéger une certaine zone. Et pour le cas de Super Mario Odyssey avec le Fish Clip, cet AOB est lié à un cumul des deux problèmes. On touche à la fin de cette vidéo. L'objectif était de vous faire comprendre que certains mécanismes sont semblables entre les jeux et que le fonctionnement d'un glitch peut migrer entre différents moteurs de jeu. C'est pourquoi il est très important de comprendre comment ils fonctionnent dans le fond pour pouvoir les adapter ailleurs. Dites-moi en commentaire quel glitch vous avez préféré et si vous avez déjà réalisé des glitches similaires. Pour finir, si vous avez aimé ce nouveau format, vous n'avez qu'à liker la vidéo. Ça me permettra de savoir si je peux le renouveler. Si vous souhaitez proposer des glitches que vous avez découverts ou expérimentés, postez-les sur Twitter en précisant le hashtag Glitcher. Ou sinon, c'est directement sur Discord. Le lien est en description. Amusez-vous bien à défoncer vos jeux. Tu veux me voir en stream, rendez-vous sur Twitch. Le lien est en description, je stream quasiment tous les jours. Tu retrouveras le planning dans la bio. J'ai aussi une chaîne secondaire où je poste toutes les VOD. Son nom c'est FVOD, tout simplement. Et pour finir, je remercie tous ceux d'entre vous qui me soutiennent financièrement via Twitch ou les dons directs. C'est grâce à vous tous que je peux continuer ce que je fais. Encore une fois, merci. Bye.